Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon du jour de l'an. Je vous souhaite la plus merveilleuse des nouvelles années 2021. Nous sommes le 31 décembre, je vous ai filmé la précédente vidéo, celle-ci elle sera pour après le 31 décembre. Donc mes meilleurs voeux de bonheur, de santé surtout, de joie, de retrouver nos proches, d'être en bonne santé, c'est l'essentiel comme je vous l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai gagné sur Instagram comme concours beauté. Et on va commencer par un magnifique concours qui était organisé par Marine du site Bloom & Blush, dont je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc Marine, si tu regardes ma vidéo, je te remercie énormément. C'était un concours avec la marque Héré Pérez. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai le concealer, j'ai une palette Camomilla Palette. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup le concealer, notamment le Arnica Concealer. Et là, j'ai gagné vraiment de quoi faire tout un maquillage. Donc, on se fera un full face Héré Pérez, qui est une marque mexicaine. Certains produits sont fabriqués en France, d'autres en Italie. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, elle m'a envoyé une magnifique carte avec le colis qui est arrivé très, très, très vite parce qu'elle voulait absolument que je l'aie pour Noël et je l'ai reçue largement avant Noël. Félicitations Valérie, j'espère que vous ferez de belles découvertes avec ce joli lot Héré Pérez. Joyeuses fêtes Marine. Donc, c'est super gentil. Donc, encore merci Marine. Je m'attendais vraiment pas à gagner ce concours. Et elle en organisait deux, Héré Pérez, dont un avec une palette. Et au départ, quand j'ai su que j'avais gagné par message, j'ai cru que c'était la palette. Voilà, et j'étais déjà hyper contente. Donc, je l'ai d'abord remerciée pour la palette. Et en fait, non, j'avais gagné vraiment le gros lot. Donc, je suis trop, trop contente. Je n'ai rien essayé. J'ai swatché, j'ai montré sur Instagram. Mais je voulais vous réserver la surprise. Et j'ai hâte de faire le maquillage avec. Alors, je vais vous montrer le magnifique colis que j'avais. Donc, j'ai retiré des packagings, je vais les remettre, hein, c'est pas difficile. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup l'esthétique de la marque. C'est toujours très, voilà, c'est épuré. Et ce fond de teint, vous savez, si vous me suivez, que je voulais le tester, c'est le fameux Hot Milk Foundation au lait d'avoine. Je suis trop contente. Donc, lui, il est fabriqué. Donc c'est distribué par Héré Pérez. Ben je ne sais pas où il est fabriqué, peu importe. 30 millilitres. Ah ben il est français. Voilà, made in France. Donc ce produit-là est français. Et alors j'avais le choix de la teinte et j'ai décidé quand même de prendre la teinte chai. Il n'y a que 6 teintes dans son teint, donc c'est dommage. Les peaux les plus noires ne pourront pas trouver leur bonheur, mais il paraît qu'ils sont en train de travailler sur des teintes plus foncées, donc c'est très bien. Donc avant, il y a la teinte latte, qui est vraiment pour les teints très clairs. Donc là, je pense à Maud, Maud et la Beauty, qui a la peau vraiment très claire et qui recherche toujours la teinte la plus claire. Ensuite, il y a la teinte Honey, avec laquelle j'ai hésité. Mais vous savez que j'aime bien, moi, quand même, un petit peu plus foncé que ma carnation, sinon ça fait fantôme, je n'aime pas. Même si on peut voilà, travailler son teint avec du bronzer, des blushs, etc. J'aime bien quand même avoir une toile de fond un petit peu plus foncée que mon teint. Et donc je me suis décidée pour la teinte chai. Donc il paraît que c'est un fond de teint très crémeux, assez couvrant. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, made in France, 30 millilitres. Je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas du tout essayé. Donc c'est bien, il se présente sous forme d'un petit tube comme ça qui est tout plastifié. Et on va voir cette teinte qui va peut-être être un petit peu foncée, mais je ne pense même pas. Moi j'aime bien ces teintes-là. Hein. J'ai vraiment hâte de le tester. Donc voilà la couleur. Donc ça va. Hein. Parce que au nez, j'avais vraiment peur que ça fasse. Donc je vous montre un petit peu. Donc c'est crémeux. Ça a l'air assez couvrant quand même. Hein. Vous voyez, ça ne choque pas. Hein. Je pense que ça ira très très bien avec ma carnation une fois qu'il est étalé. Voilà. Alors il paraît qu'il a un rendu glowy. Pas trop, je trouve. Il a l'air surtout très, très chouette sur la peau. Ne sent rien et voilà, au lait d'avoine, il doit être très très doux. Il a l'air très très doux.
Voilà ce que ça fait. Donc, je pense qu'il est superposable hein, pour obtenir la couvrance qu'on veut. Donc, j'ai hâte de vous faire ce maquillage. Je pense que je vais le faire demain. J'ai trop, trop hâte. Ah oui, et là, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je m'étais acheté les nouveaux fonds de teint. Nouveaux rouges à lèvres Madara, les mats hein, qui viennent de sortir. Et c'est celui que je porte. Je vous avais dit que je changerais de rouge à lèvres. C'est le Dark Nude. Voilà. Le Dark Nude. Voilà ce qu'il donne. J'adore pour cette saison, c'est magnifique. Voilà pour ça. Ensuite, il y avait un enlumineur. Donc, j'adore. Donc là, je précise que j'en ai pas. Hein, que c'est vraiment l'hydratation de la peau qui a fait ça. Surhydratation, surhydratation. Donc, c'est le Vanilla Highlighter. Donc, à la vanille, en teinte Falling Star. Je vous montre à l'endroit, oui. Falling Star, donc c'est un gros packaging. Il est magnifique le packaging, regardez-moi ça. Leur poudre me fait envie, il n'y avait pas la poudre dans le lot. Donc voilà, Vanilla Highlighter. Alors celui-là est fait au Mexique, voilà, Made in Mexico. Falling Star, donc c'est un, je l'ai juste swatché pour Instagram. Magnifique packaging, regardez ça. C'est un rosé. On va swatcher ça. Je m'en rappelle plus, il y a un moment que j'ai reçu le colis. C'est magnifique. C'est très crémeux. Oh, il est trop beau. Je vais le mettre par-dessus le. Il est assez subtil. Hein. Il n'a pas l'air trop. Il n'en voit pas. Voilà. Je pense qu'on peut vraiment le. Je vais vous le remettre hein, parce que on voit rien. Je vais en mettre une bonne dose. Voilà, il n'est pas flashy, flashy. Tout en subtilité. Voilà, là vous le voyez bien. Il est joli, hein. Bah, je vais m'en mettre un petit peu, tiens. Ah oui, c'est si sur la peau, hein. C'est parce que c'était sur la main. Voilà, vous le voyez bien là, par rapport à l'autre côté où j'ai rien. Il est très très joli. Je me mets sur le côté que vous voyez, moi je vois rien. Il est très joli. Voilà, donc je suis trop trop contente parce que RPRS, c'est pas donné. Hein. Vous imaginez ma joie quand j'ai su que c'était ce gros lot. Ensuite, il y avait, là aussi je suis trop contente et vous allez comprendre pourquoi, si vous suivez Aurélie de la chaîne Clélia 2612, Aurélie qui nous a toutes envoûtées dans la Green Beauty, elle a parlé de ce Carotte Color Pot qui sont les. Un peu l'équivalent des RMS, les Lip to Cheek, qu'on peut mettre sur les joues et sur les lèvres. Et à ce propos, le RMS que je vous ai présenté dans la première, dans la précédente vidéo, c'est un lip shine, hein, le Bloom. C'est pas un lip to cheek, hein, on ne peut pas le mettre. C'est pour ça que je vous disais que ça me paraissait collant. Oui, c'est juste pour les lèvres. Hein. Je vous le remontre. J'ai dit, il faut que je rapporte la précision quand même. Voilà, c'est juste pour les lèvres, parce que ça me paraissait vraiment brillant et collant pour un blush. Mais là, c'est vraiment un lip tout chic qu'on peut mettre sur les joues, sur les lèvres et pourquoi pas sur les paupières. Et Aurélie disait qu'elle avait trouvé, pourtant elle en a du maquillage de toutes les marques, de toutes les plus jolies marques. Elle disait que c'était, si elle devait garder qu'un blush, ce serait celui-ci, enfin cette teinte. Et celui-ci. Et c'est celui-ci que j'ai reçu, donc je suis trop contente. C'est le Carotte Color Pot en teinte Healthy, qui veut dire en bonne santé. Il est très très joli. Et il ira très bien avec ce rouge à lèvres, je pense. Alors, comment je vais le rouvrir? Évidemment, je viens de le refermer, mais faut qu'il fasse de la résistance. Regardez ce packaging magnifique. J'espère que ça ne va pas trop vous illuminer. C'est magnifique. Est-ce que c'est un miroir? Oui, c'est un miroir, je confirme. Je me vois dedans. Donc ça, c'est génial. Oh, c'est fou, c'est un vrai miroir. C'est pas... Enfin, c'est un miroir, voilà. Regardez cette teinte. Elle est trop jolie. Alors, je l'avais swatché sur Instagram. Oh, il est trop beau. Oh là là, oui. C'est exactement la teinte parfaite pour en ce moment. Regardez ça, même pour l'été, hein. Alors je vais l'estomper un peu. Très très joli. J'en avais déjà un color pot en échantillon. Donc je vous le sortirai quand on fera le full face. Et j'avais aussi un rouge à lèvres en.
Je vais vous le montrer d'ailleurs. Comme ça, on pourra vraiment faire mais tout le maquillage Hery Pérez. Voilà, quand on l'étale, ça fait un joli terracotta en fait. Ça donne bonne mine, hein, tout simplement. Ça me fait penser un peu au Kosas, dans quelle couleur je l'ai. Ça va me revenir. Tropique Equinox, ça me fait un petit peu penser à ça. Vous savez qu'on peut s'en servir en bronzer, le Tropique Equinox, tellement il est justement terracotta ou en blush, ça me fait un peu penser à ça. Il est magnifique. J'ai vraiment trop hâte de faire le maquillage complet. Et il y avait ensuite, alors j'ai déjà le Beetroot Chicken Lip Tint que j'avais acheté à Sibylle. Donc le lip tint qu'on peut mettre sur les joues et sur les lèvres, qu'adore Julie, chanteuse de salle de bain. Elle en est tombée amoureuse avec Loulou, sa fille, pour les joues. Elle dit que ça tient du feu de Dieu. Moi, j'ai pas essayé de le mettre sur les joues parce qu'il est hyper pigmenté, mais sur Julie, ça fait bien, donc on essaiera ça aussi. Voilà, donc j'ai déjà ça de Hery Pérez. Et là, c'est un lip gloss, un lip au nez. Donc ça doit être au miel, mango, à la mangue et au miel certainement. Et c'est la teinte glaze. Il est très joli aussi le packaging, donc c'était dans un carton comme ça. Et c'est un transparent en fait, hein. On va voir, on va essayer de l'appliquer peut-être sur. Parce que ça, je le mettrai par-dessus un rouge à lèvres. Hein. Je vais prendre un miroir parce que je vais faire n'importe quoi. Parce que tout seul. Ouais, ça ne colle pas. Ça apporte du brillant en fait. Voilà, j'ai mis un rouge à lèvres mat parce que j'adore les mats. Et je viens de mettre du brillant dessus. Vous voyez, ça brille bien. Et pour l'été, je pense que ça peut être sympa aussi si on est bronzé. Bon, moi, ce ne sera pas mon cas, ce sera du faux bronzage. Mais ça peut être très joli sur les lèvres. Ça colle un peu. Peut-être que ça va passer, je vous le dirai après. Donc voilà, j'ai gagné tout ça. Donc quatre produits. Je suis vraiment trop contente. Vraiment trop trop contente parce que bah, j'adore le maquillage déjà et puis là c'est pas un cadeau de votre part mais un cadeau d'Instagram donc je suis super contente. Alors je vous disais que j'avais un rouge à lèvres et je pense qu'il va aller très très bien avec ce maquillage donc on essaiera ça en le mettant justement avec le brillant. C'est dans la teinte Sway. Et je pense que ce sera parfait avec ce maquillage parce que ça a l'air, c'est un mat. Voilà, un mat. Je vais essayer d'en attraper. Je vais le mettre à côté du blush. Un mat rosé qui est très joli. Voilà la teinte. Très très jolie. Là, il y a tout Hery Pérez hein, dessus. Et j'avais un gloss, mais un lip tout chic. Donc un carotte color pot, mais je ne me souviens plus la teinte. Du tout, du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? J'ai gagné un très beau cadeau, encore organisé par les États-Unis. Un très très beau masque au miel. J'attrape le colis d'une marque que je ne connaissais pas. Donc avec une, alors ça vient de loin, hein. C'est pas d'où ça vient. C'est du nord. C'est un pays nordique. Un super gentil petit mot en anglais. Chère Valérie, félicitations d'avoir gagné ce magnifique concours que j'ai organisé avec Jana. Donc Jana, je sais que tu regardes mes vidéos. Je vous mettrai son compte Instagram. Elle est d'une douceur, d'une gentillesse. Bon, elle ne parle qu'en anglais. Et dans une langue nordique, mais je ne peux pas vous dire laquelle, je ne sais pas du tout. Et elle est gentille comme tout, on discute souvent sur Instagram. Donc, Jana, kisses from France and have a happy new year. Je fais des efforts. Hein. J'espère que cette édition limitée du masque Ambrosia au miel vous plaira ou te plaira. Et qu'il te donnera une jolie peau et te rendra heureuse. Je te souhaite un merveilleux Noël, love, Zita. Voilà, elle s'appelle Zita, c'est la créatrice.
Donc c'était avec un seau comme ça à la cire. J'ai trouvé ça très très gentil. Et c'était un masque qui coûte 86 €, je crois. Il est magnifique. Donc la marque, c'est Margality. Margality Skincare and Botanicals. Donc là, j'ai peut-être trouvé d'où ça vient. Oh là là, voilà, alors, Made by Gjurovicevita. Donc, à mon avis, c'est les pays de l'Est. C'est un pays de l'Est à utiliser jusqu'en décembre 2021. Donc, c'est écrit à la main. Ça, c'est super quand il y a les dates de péremption. Et c'est un magnifique masque au miel et à la lavande. Margality. Donc, hein, je vous mettrai la. Je ne sais pas si on peut retrouver facilement les produits. Voilà comment ils se présentent. Donc les masques au miel, moi j'adore. J'ai déjà fait une fois. J'ai utilisé ce qu'il y avait dans le capuchon. Il est très épais. J'essaie de vous montrer. Voilà, il est très très épais. Donc c'est vraiment à appliquer. Alors, les masques au miel, de toute façon, c'est la vie. Il est vraiment à appliquer sur peau humide. Il sent très très bon. Le miel et la lavande, mais vous voyez par rapport au Nail Love, il est très compact. Donc moi je croyais que c'était parce que je venais de le recevoir et qu'il faisait froid, mais non, il est très compact. Et il contient alors de la lavande, de la rose de Damas, des pétales de rose de Damas, de l'urtica folium, de l'huile de urticae folium, je ne sais pas ce que c'est, du pollen ou propolis. De l'huile, de la poudre de Boswellia sacra, je ne sais pas ce que c'est, de l'huile d'olive, ça oui, de la Centella asiatica qui est excellente pour la peau, de l'huile d'amande douce, de la rose rubiginosa, de l'huile de rose rubiginosa, de l'échium, de l'huile d'échium, de l'huile de lavande. Du patchouli. Ah, c'est pour ça que j'adore l'odeur. Ouais, c'est vrai. Lavande et patchouli, ça se marie très bien ensemble. Donc, de l'huile de patchouli, l'huile de rose de Damas, du géraniol, du citronéol et du limonène. Ça, c'est pour les conservateurs. Et je ne sais pas où c'est fabriqué, mais ça vient d'un pays de l'Est. J'en ai pour une éternité. Mais en même temps, et comme il est compact, je pense que. Voilà, ça va être difficile à étaler. On le fera ensemble de toute façon. Je vais m'essuyer la main. Je reviens tout de suite pour vous montrer les autres cadeaux gagnés sur Instagram et qui vont être pour vous. Voilà, à tout de suite. Me revoilà. Pendant que je faisais l'échange de colis, je me suis renseignée sur ce masque parce que je voulais quand même vous apporter des précisions. Donc, ça vient de Hongrie. C'était bien un pays de l'Est et pas des États-Unis. Ambrosia, elle a donné le nom de sa maman, Zita, donc. Et pour les ingrédients, donc c'est une édition limitée, il coûte 80,50 €. Il y a un site. Et les ingrédients, en fait, c'est pas de la lavande, c'est du miel de lavande brut qui est fabriqué juste à côté de chez elle. Et ensuite, les ingrédients que je ne connaissais pas, c'était de la feuille d'ortie et du pollen de pin sauvage. Et il y a aussi de l'encens. Voilà, donc une magnifique composition. Et on va le faire très très vite ensemble. À appliquer 30 minutes avant de rincer et bien sûr sur peau humide. Ensuite, les cadeaux qui sont pour vous. Alors, j'ai gagné, vous le savez, cette pochette. Je vous en ai fait une vidéo. Donc là, Sephora. Favorites Clean Makeup Kit qui n'est valable, enfin qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Je vous en ai fait toute une vidéo qui apparemment a beaucoup de vues, donc qui plaît. Et dedans, donc j'offre la poudre RMS, la poudre illuminatrice RMS, et j'offre aussi le Color Haze Before Today que j'ai déjà de Ilia. Ça, je sais, ce sont des copines Instagram, donc ça reste entre nous, ce n'est pas un concours. J'ai gagné aussi toute la routine Laurel que j'offre aussi à une copine, à la même d'ailleurs que la poudre RMS. Ça, je ne vous le montre pas parce que je vais vous faire la revue et la routine avant
avant de lui envoyer. Voilà, parce que j'ai pas eu un coup de cœur intersidéral. Ne me frappez pas celles qui sont pro Laurel. Vraiment, j'ai pas eu un coup de cœur intersidéral. Maintenant, on va passer aux autres cadeaux et ceux-là sont pour vous. En sachant que j'ai encore gagné un très beau concours que j'attends. La marque m'a dit qu'elle me l'envoyait début janvier parce que bah, y a les vacances, il y a les, voilà, les fêtes. Et que c'est un gros cadeau. C'est un meuble en fait, c'est un très très beau cube qui est vide au milieu en fait, donc qui peut servir de table de nuit, de table de support, de bout de canapé, qui vaut 186 € sur le site de la marque. C'est la marque Andro, donc je vous le montrerai quand je le recevrai. J'ai été estomaquée de le gagner parce que bah, j'ai pas de très joli meuble et que ça va habiller ma maison. C'est un carré comme ça, un cube en bois d'excessivement bonne qualité, forcément à ce prix là donc je vous le montrerai. J'étais mais ravie parce que j'ai encore une fois, j'ai pas énormément de meubles, je me meuble sur le bon coin et les meubles que vous voyez, donc notamment celui-ci, et j'ai deux buffets, ça vient de mes grands-parents qui sont décédés l'année de la naissance d'Aurore, donc de mon aîné. Et j'ai hérité donc par mes parents de ces jolis meubles. Sinon, c'est le bon coin et le bon coin. Ouais, c'est que ça. Voilà, donc je suis contente d'avoir ce meuble. Maintenant, les cadeaux pour vous. Donc, je vais faire des concours au mois de janvier. Je vous en reparlerai. J'ai gagné une huile visage de la marque Episcom. Qui a un site. Donc on fait de belles découvertes sur Instagram, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des marques qui n'ont pas vraiment de moyens de faire de publicité, et Instagram c'est un bon moyen de se faire connaître. Donc c'est une marque française qui fait des produits, de très beaux produits à base d'huile végétale. Donc ça c'est pour vous parce que j'ai beaucoup de produits, je reçois beaucoup de produits en cadeau, donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir, donc je n'ai pas du tout essayé. C'est l'Oléo Sérum Régénérant Premier Soin Anti-âge naturel actif en 20 ml. Et ce qui est drôle, donc il est très très joli, hein, très sobre, ça fait vraiment qualité. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il est en forme de roll-on. L'huile a l'air très très belle, hein, très concentrée. Donc je ne sais plus ce que ça contient comme huile, je vous le redirai quand j'organiserai le concours, donc sur YouTube. Ou sur YouTube ou sur Instagram, je sais pas, parce que YouTube n'aime pas les concours. Voilà, donc on s'en applique en fait au point stratégique et après on masse. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très bien. Et voilà, c'est naturel, bio, il n'y a aucun souci. Donc ça me fait plaisir de vous l'offrir, à mon tour de vous faire des cadeaux. Voilà, donc protège, régénère, nourrit, protège, hydrate et lisse. Soin tout en un de texture sèche, laissant un film non gras à utiliser en soins préventifs anti-âge matin et soir, à base d'huile végétale riche en oméga 6 et 9. Donc il y a de l'huile de macadamia, de noisette, de tournesol et de jojoba qui nourrissent, hydratent et redonnent souplesse et confort à la peau. C'est aussi enrichi en vitamines A, E et C au Q10, donc ça c'est très bien, c'est un bel anti-âge. Ce cocktail d'actifs antioxydants participe à la protection de la peau face aux agressions extérieures, pollution, stress UV, tabac, etc. et au vieillissement prématuré, et contribue à la régénérer. Et il y a des propriétés anti-âge à utiliser dès 20 ans. Et oui, il faut prendre soin de sa peau très jeune. Donc ça, ce sera pour vous. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Ensuite, j'ai gagné un concours où il y avait deux beaux cadeaux, c'est pour vous aussi, ça me fait plaisir. Donc c'est de la marque Peacock. Dans la new box, dans une new box, il y a un moment, on avait reçu une brume parfumée comme ça. Donc c'est une brume d'intérieur, un peu comme les Kerzon. Donc comme moi, je me suis acheté la Kerzon qui est ici, que j'adore en super frais, voilà, moi que je mets carrément en parfum, comme Grazia. Je te fais coucou Grazia, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, donc un énorme bisou ma belle. Et Grazia, elle a connu Kerzon par mes vidéos et elle est tombée complètement amoureuse, et là elle a posté une photo Instagram, t'as posté une photo Instagram où t'en es à trois brumes, tellement elle les aime, et elle les met aussi en parfum. Et Dieu sait que Grazia aime les beaux produits, les belles choses, et voilà, elle a une collection de parfums assez faramineuse, et si elle aime ces brumes là c'est pour vous dire que c'est de la qualité.
qualité. Donc voilà, comme j'avais déjà la mienne, je me suis dit celle-là, ce sera pour une abonnée. Donc c'est une brume qu'on peut mettre sur la peau parce qu'elle est à 98% d'ingrédients naturels. C'est dans la senteur éclat d'iris, donc c'est français. Et vous pouvez la mettre sur vos draps, vos oreillers, votre canapé, simplement dans l'intérieur ou sur la peau. Donc naturel à base d'eau. Rafraîchit votre linge et votre intérieur, composé d'un neutralisant d'odeur, donc ça c'est bien même pour les toilettes peut-être, hein. D'origine naturelle, elle vous aidera à éliminer les odeurs tenaces, comme si votre linge sortait de la machine. Voilà, et ça sent, moi je trouve que ça sent la violette, ça sent vraiment la violette, voilà, les bonbons à la violette, vous savez, ça sent ça sent très très bon, 200 millilitres, et donc ça ce sera pour un concours aussi à part. Et encore un beau cadeau, c'est le Jardin Retrouvé. C'est une maison de parfums depuis Paris 1975. Donc le packaging, je l'avais partagé sur Instagram, est magnifique. Je vais vous montrer ça. C'est une eau de parfum, donc plus concentrée qu'un parfum, qui a été fait par Yuri Gutsatz, qui est créateur parfumeur. Voilà, et c'est dans la senteur verveine d'été, donc c'est très frais, hein. C'est un parfum, j'ai juste pchité, c'est vraiment un parfum mixte, très frais, ce sera plutôt pour le printemps et l'été, donc c'était présenté dans un magnifique coffret comme ceci, donc ça ce sera pour vous aussi, ça me fait trop plaisir de vous l'offrir. Il y a une pochette pour mettre le parfum ou autre chose, comme ça dans les... Ça me fait penser au tissu africain. C'est très très joli. Voilà, avec l'étiquette Le Jardin Retrouvé. Voilà, une petite pochette pour transbahuter, pardon, il est tard, hein, votre parfum ou mettre autre chose. C'est le tissu madras, je crois que ça s'appelle. Très très joli. Voilà, ensuite il y a le livret de la parfumerie avec tous les parfums qu'il y a. Il y a un petit mot nous remerciant de notre achat, mais moi je l'ai gagné. Voilà. Et le parfum se présente comme ceci dans le coffret. Donc c'est très très luxueux. Hein. Et bon, je ne vais pas le repchiter hein, puisque c'est pour vous. Voilà. Il se présente comme ceci. Il doit faire 50 millilitres. Je pense. Oui, 50 millilitres avec un bouchon en bambou. Voilà, et il sent, c'est très frais, ça sent la verveine, ouais, ça sent la verveine. C'est très 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 frais et aussi bien pour un homme que pour une femme. Pour l'été, là, ça va être, c'est très 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 frais. Ça sent très très bon, ouais, ça sent très très bon. Donc je remets le petit papier, c'est la dernière fois que je vais l'ouvrir, le petit carnet avec toutes les senteurs et puis l'explication de la marque, le joli petit tissu. Le petit couvercle. Je referme tout ça pour la dernière fois. Voilà, je l'avais juste présenté sur Instagram et pchité une fois. Hop. Vraiment luxueux, hein. J'avais été étonnée quand je l'ai ouvert. Voilà. Ça, ce sera pour vous aussi. Donc, quand j'organiserai le concours, je vous demanderai... qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous ferait le plus plaisir. Et puis quand je tirerai au sort, eh ben, j'essaierai de faire en sorte que vous ayez le cadeau qui vous fait le plus plaisir. Je crois que je participe encore à des concours, hein, donc peut-être que je vais en gagner d'autres et que je vous en offrirai d'autres produits pardon, également. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo parce que je crois que la précédente a été très longue. Quand je la fais en plusieurs parties, en fait, je ne me rends pas compte compacter ce que ça va faire. Et comme je ne fais pas de montage, et ben voilà, ça dure le temps que ça dure. Mais je sais que vous m'avez dit que vous aimiez bien les vidéos longues et moi aussi j'aime bien les vidéos assez longues. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une excellente année 2021, qu'elle soit, pitié, meilleure que la 2020 et qu'on puisse retrouver une vie peut-être pas complètement normale, faut pas non plus rêver, mais un peu plus normale que ce qu'on a vécu. En fait, on s'habitue pas du tout. Donc, je vous souhaite d'abord la santé, voilà, la santé pour vous, pour vos proches.
du bonheur, de la joie, beaucoup de partage entre nous. Et encore une fois, n'hésitez jamais à venir me faire un petit coucou ou un gros coucou sur Instagram. Et les commentaires, eh bien, j'y réponds, hein. Vraiment, j'essaie de répondre à tout le monde. Si j'oublie des personnes, n'hésitez pas à me rappeler pour que je vous réponde. Là, on va arriver à 800 abonnés, c'est inespéré, donc je pense qu'on sera 1 000 dans l'année. Et bah, vous avez aussi un concours, vous le savez, que j'organise pour les 1 000 abonnés. Ça me fait trop plaisir de vous offrir tout ça. Je vous embrasse très 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 fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment. Moi, j'adore les filmer quand je suis en forme, ça me fait trop plaisir. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!